Et salut tout le monde, c'est Lily. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Kingdom Hearts. Alors, j'avais prévenu, on risque, en commençant la vidéo, de se faire agresser par des sans-cœurs. Alors c'est parti, pour bien commencer. La dernière fois, on s'était fait voler la lampe magique par Jafar et compagnie. Maintenant, on le cherche. Mais est-ce que c'est utile de le faire, le mob? Non. J'ai décidé que non. Alors la dernière fois, il y avait des petites boules rouges ici. Et apparemment, cette fois-ci, ils ont décidé de mettre une carte. Alors, on peut pas y aller. Ok. D'accord, on peut pas. D'accord, on peut pas, c'est nul. Du coup, j'imagine que... qu'on peut peut-être aller à la porte que j'avais vue la dernière fois en me disant, mais on peut pas y aller. Bon, évidemment, je tourne tout à la suite, une fois de plus. Hein. C'est pour ça que toute la semaine, je serai habillée en blanc. Je sais pas si ce sera pareil pour Pokémon. Ah, maintenant, on peut y aller ici. Hop. Donc, c'est de cette porte-là que je parlais, ça tombe bien. Que vois-je? Ah, ça me rappelle une chanson dans l'étrange plan de Monsieur Jack. Aladdin a déjà abandonné sa précieuse Jasmine. Je ne vais pas gâcher un vœu pour vous. Je vais m'occuper de vous moi-même. Aladdin, vas-y. Ninja. Comment, toi? Génie, attrape-le. Al, pardonne-moi. Ça doit faire mal. Tu es tombé dans le panneau, Jafar. Que veux-tu dire? Il veut dire que tu viens de gâcher ton deuxième vœu. Il ne t'en reste qu'un. Vas-y, utilise-le pour séduire Jasmine, mais tu devras quand même nous vaincre. Mais... tu sais, avec mon talent, Aladdin, il peut nous vaincre. Oh, ça y est, j'ai compris. Ce que tu es malin, Al. En voilà un petit astucieux. Mais tu ne vois pas plus loin que le bout de ton museau. Il change toutes les... toutes les citations à chaque fois. Ta ruse ne changera rien. Je peux vous écraser et avoir Jasmine. Génie, voici mon dernier vœu. Je souhaite devenir le génie le plus puissant de l'univers. Encore? Ah, ça avait bugué aussi ici dans Cache, hein. Quel enfer, c'est l'œuvre de Jafar. Je veux voir où est-ce qu'on peut aller un peu tout ça. Pas là. Ah, il faut encore avoir lui. Comment il s'appelle déjà? Yago, je crois. Il fait peur, hein. Bon, alors lui avec des cartes, ça va être chiant. Je veux la carte là. Tant qu'à faire, on profite pour se recharger. Hein. Mais il est trop... Ah ah. Ah mais eux! Bon, jusque là ça va. Il va juste être long à faire quoi. Mais ouf. Allez, grimpe. Ah. Ouais, par contre, là... là, je me sens pas en sécurité. Non. Mais j'étais pas dedans, c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de me soigner en fait, j'ai pas confiance. Ah ah. Oh mais t'es loin. Reviens. Non,
il est trop loin. Oh, mais allez, c'est quoi la carte? Ça aussi, ça me rappelle KH premier du nom. Dans le premier aussi, je m'étais jeté dedans. Ça avait l'air cool. Petite bouboule de feu, tout ça. Oh, mais je voulais faire une roulade. Allez, allez! Non, mais c'est pas lui que je veux attaquer. Ça, c'était nul. Bon, d'accord, je l'ai pas évité. Où est-ce qu'il est, le piaf? Il est là. Et en plus, on level up, ça, c'est cool. Il est beau, Jafar, comme ça. Alors, ah, on peut plus au bout d'un moment les... Ok. Bon, on va prendre des HP. Les HP et moi, c'est une grande histoire d'amour. Voilà qui est réglé. Oui, Jasmine, SNS sauve et nous avons la lampe. Et Aladdin, il te reste un vœu, non? Oui, il est temps que je le transforme en prince. J'aimerais être libre, mais les génies ne décident pas. De toute façon, tu dois être en colère à cause de toute cette Jafaribole. Vas-y, Al, demande-moi ce que tu souhaites vraiment. Deviens un prince et épouse cette jolie fille. Bon, c'est parti. Je souhaite que Génie soit libre. Comme s'ils étaient vraiment étonnés, franchement. Mais Al, plus personne ne se servira de toi pour faire du mal. Génie, tu es libre. Al, je ne l'oublierai jamais. Mais, et Jasmine, que vas-tu faire? J'avais tort, Génie. Si je t'avais utilisé pour séduire Jasmine, je n'aurais pas valu mieux que Jafar. Jasmine est tout pour moi. Je veux lui montrer qui je suis vraiment. Voilà qui est bien parlé. Oh, mais ça risque d'être long, du coup. Merci, Sora, et bonne chance. Pourquoi ça? Quand j'étais prêt à abandonner, tu as dit quelque chose pour m'encourager. C'est là que j'ai compris. Toi aussi, tu as perdu quelqu'un que tu aimes. Oui. Génie. N'en dis pas plus, je sais à quoi tu penses. Voilà pour toi, Sora. En cas de besoin, appelle-moi. C'est sa carte avec son numéro de téléphone. Tu es d'accord, Al? Évidemment. Tu es sûr? C'est quand tu veux. Sans vous, je n'aurais jamais pu quitter cette maudite lampe. Je pense qu'Aladdin s'en sortira très bien tout seul à présent. Waouh, merci beaucoup. Espérons que nos vœux se réaliseront. Sois prudent, Sora. Et ouais, espérons, espérons. Du coup, on a le génie. Alors... une save! Le manoir, le fameux. Qu'y a-t-il, Dingo? C'est le château dont je vous ai parlé, je suis sûre que je ne l'ai pas inventé. C'est là où Sora s'est servi de la Keyblade pour sauver le cœur de Kairi. Puis il a disparu un moment, tu te souviens? Ce que j'ai eu peur, je n'oublierai jamais. Ah oui, quand je me suis transformée en sans-cœur. Attends un peu, toute cette aventure, c'était dans un château? Tu as oublié? Moi, je m'en souviens parfaitement. Dis-nous comment s'appelait le château, alors. Facile, c'était... Et vous? Vous souvenez-vous? Dis-moi, Jiminy, tu notes bien tout ce qui se passe dans ton journal? Au mot près, j'ai fini le premier tome juste avant d'arriver dans ce manoir. Voyons si je trouve ce vieux livre. Ah, le voici, voyons voir.
C'est impossible. Tout a disparu. Les pages sont blanches. Quoi? Comment est-ce possible? Je prends si grand soin de mes journaux. Tout ce dur labeur envolé. Mais dans quel genre de château avons-nous atterri? Ça efface la mémoire et les bouquins. Nous aiderons Jiminy à réécrire son journal dès qu'on sortira du manoir. Je ne pense pas que Jiminy effacerait son propre journal. Bon, on va continuer. Ah, cette musique. Ce pur moment de répit de 3 secondes. Il se passe des choses étranges. Non, sans déconner. Comment tout ce qu'a écrit Jiminy a pu disparaître? Ce n'est peut-être pas la seule chose qui est disparue. Dingo a parlé d'un autre château. Mais je ne m'en souviens pas du tout. Aucun de nous d'ailleurs, peut-être. Peut-être que notre mémoire a été effacée. Effacée? Ne dis pas n'importe quoi. Une minute, vous vous souvenez de ce que l'homme au capuchon noir a dit? Dans ce lieu, trouver c'est perdre et perdre c'est trouver. Il parlait des souvenirs. Donc si on continue, on perdra la mémoire. Pas étonnant que ça s'appelle le manoir Oblivion. Donc plus on va monter, plus on va oublier. Qu'arrivera-t-il si notre mémoire est perdue pour toujours? J'oublierai même Riku et Kairi. On devrait peut-être faire demi-tour. Pas de panique. On va peut-être oublier où on est allé et ce qu'on a vu. Mais on se souviendra toujours de nos amis. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Sora, quand tu t'es transformé en sans-cœur, nous as-tu oublié? Bien sûr que non, je ne vous oublierai jamais. Eh bien, tu vois. Quelles que soient les mésaventures, nos amitiés restent gravées en nous. Il est intelligent. Oui, tu as raison, merci Dingo. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, après tout. Alors en route! Avec cette musique. Dites donc, Donald. Quand j'étais à sans cœur, quel est le petit malin qui m'a roué de coups? C'est pas moi. Ça, c'est le genre de choses que tu devrais oublier. Le palier 3, la fameuse sphère. Bon, la save, évidemment, qu'on save. Alors pour ceux qui veulent savoir, ce jeu sur GBA n'empêche maintenant coûte la peau des fesses. Et puis il est très rare à trouver. Malheureusement je ne l'ai jamais eu. Que disait de l'Olympe? Tiens donc. La musique du Colise en rétro, pas mal. Regardez un avis à la population. Ça alors? C'est une compétition, ça s'appelle la coupe du Colisée de l'Olympe. Sont pas foulés. Il s'agit d'une course d'obstacles où on affronte ses adversaires. Du moment qu'il n'y a pas d'épreuve avec des tonneaux, moi ça me va. Écoutez un peu ça, le grand héros Hercule participera au tournoi. Il paraît qu'il n'a jamais été battu. Ça a l'air amusant, et si on s'inscrivait nous aussi? J'étais sûre que tu dirais ça. Dès qu'il y a une compétition, tu n'as qu'une envie, y participer. Et si on ne s'inscrit pas, tu vas quand même y aller, pas vrai? Oui. Voilà, j'ai fait le dialogue avant même qu'il arrive. Dans ce cas, on ferait mieux de s'inscrire. Je m'entendrai bien avec Sora, moi. Attendez, il y a autre chose. Seuls les concurrents qui finiront l'épreuve éliminatoire pourront participer à la compétition. L'épreuve éliminatoire se déroule tout près d'ici. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Ah, c'est pas un truc avec des tonneaux, hein. Non, parce que si c'est un truc avec des tonneaux, je veux pas. Oh là, une petite minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Hercule est un modèle de force et de vaillance, c'est le héros parfait. Alors comme ça, il est parfait? Parfaitement énervant, oui. Rien que de penser à ce minute, ça me fait bouillir. Je l'enverrai bien en enfer et pour de bon cette fois. C'est comme qui est ce Pokémon? Alors là, franchement, si vous n'avez pas deviné qui c'était...
Même sans avoir vu KH1, on peut un peu deviner. C'est pour ça que vous m'avez engagé. Finement observé, Cloud. Tu dois battre Hercule pendant le tournoi et lorsque tu l'auras mis en difficulté, finis le travail. Fais ça pour moi et... Vous me rendrez mes souvenirs perdus comme convenu. Tu as ma parole. Lui aussi, il a une tête qui l'inspire la confiance. C'est beau, nous voici au Colisée. Avec plein de mobs, évidemment, sinon c'est pas drôle. Oh, des bouboules! Une carte, la carte revient! C'est une porte, ça? Oups! Foncez dans le son cœur. Mais ce mob n'a rien à faire ici. Pour ceux qui ont vu Cash, hein, c'est le mob qu'on avait dans le monde de Tarzan. Du coup, ça me surprend de le voir ici sans avoir fait le monde de Tarzan. Oui, bien sûr, glacé sur des mobs de glace, évidemment. Mais les musiques rétro, c'est vachement sympa, n'empêche. J'aime beaucoup. Bon, je voulais visiter, moi. En plein dessus. Ok, ça c'est le talent. Oh, rondouillard classique. Bon, ça va être chiant aussi, mais bon, au moins lui il crache pas de feu. Oh, il résiste bien aussi lui. Mais en fait, c'est bien la magie au moins pour ça. Bien sûr, je voulais pas me soigner, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas spam bêtement. Oh, il est chiant. Oh. Allez, allez. Allez. Ben voilà. Oh, les deux d'un coup. Ça, c'est beau. C'était tout à fait voulu. Tout ça pour ça, en fait. Il n'y a rien d'autre ici. Bon, donc c'était bien une porte. S'il faut juste un, on va pas s'embêter à utiliser je sais pas combien. Laissez-moi passer. Ah. Ça faisait longtemps. Mais. J'ai un petit peu raté mon coup. J'avais pas vu ma vie non plus. On va peut-être regarder ça de plus près. Bon, là on a une porte. J'ai vu qu'en bas aussi. Ah, c'est une porte comme ça en bas. Tape la porte avant qu'il te fonce dessus. On peut pas y aller. D'accord. Je crois qu'on aura le droit à pas mal de petits combats à chaque épisode. Cette fois-ci, les level up sont un petit peu plus longs. On voit qu'on avance l'air de rien. Et que je spam. Hmm.
Non mais tape au bon endroit. S'il te plaît, Sora. Bon, du coup. En plus, j'étais sur l'échelle. Non, 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 la porte. Bon, on va prendre celle-là. Il va falloir que je fasse les mobs au bout d'un moment, quand même. C'est bizarre qu'il bouge pas. Bon, c'est pas lui que je voulais, c'était la porte, mais j'ai raté. C'était prévisible en même temps. Non, laissez-moi tranquille. Mais bon, on va recharger du coup. Bon, enfin, j'ai dit qu'on allait pas level up vite, mais en fait, ça va, je viens de voir combien nous manquait. Voilà. J'avoue, je serais curieuse de connaître la version PS3, l'air de rien. De toute manière, c'est sûr que si je la fais pas en vidéo, je la ferai pour moi un jour. Le jour où je pourrai acquérir une PS3. Du coup, qu'est-ce qu'on prend cette fois? On va prendre ça. C'est bizarre qu'il bouge pas quand même. Bon, on n'a pas de toute façon. Ça me perturbe, il faut que je le tape. Mais c'est nul. C'est pas vraiment lui que je visais, mais c'est pas grave. C'est chiant quand il est devant. Non, j'ai pas spamé, c'est pas vrai. Ouais, et donc, on va prendre celle-là. 4. J'en ai une de 6, bon, 5. Non mais c'est bizarre, le jeu a bugué ou... C'est normal ou c'est pas normal? Mais je me suis juste collée à lui. J'ai essayé. Mais allez. Bon, ça va, on s'en sort pas si mal. Bon, il y a quoi ici? Qu'est-ce qu'il faut? On peut pas non plus. Ah. Non, de toute façon, la porte elle est là-bas, je sais pas pourquoi. Six. Ils sont de plus en plus gourmands dans ce jeu, n'empêche. Bon, il n'y a qu'une porte en bas. Ah.
Je suis pas pressée, c'est pas vrai. Bon, là, on peut y aller, mais je sens qu'on va pas avoir de quoi y aller. Bon, si, soyons fous. Mais j'ai intérêt à fermer les mobs après. Mais d'où sortez-vous comme ça? Vous avez passé les éliminatoires? Oui, 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 bien sûr, et on veut concourir pour la coupe. Alors vous êtes au bon endroit. Mais je ne crois pas que vous ayez une chance de contre Hercule, bien sûr. Bien sûr, on va y arriver. Pourquoi ça? En deux mots, vous n'êtes pas des héros. Tu te trompes. C'est vrai, ça fait quatre mots. Je ne parle pas de ça. Comment prouver qu'on est des héros si tu ne donnes... Ah, si tu nous donnes pas notre chance. J'arrive plus à lire, ça y est, ça y est. Il a raison, Phil. Ils ont passé les éliminatoires, ils ont le droit d'essayer. C'est pas faux, Hercule, mais quand même. Il paraît beaucoup plus grand que sur la version PS2 comparé aux persos principaux. Sinon, il ne reste plus qu'à annuler le tournoi. Ah bah non. L'annuler, pourquoi? Les épreuves éliminatoires du vieux Phil étaient si difficiles que personne d'autre n'a réussi. Ah, ça c'est con. C'est vrai? Alors le problème est réglé. Laisse-nous participer, le tournoi ne sera pas annulé, qu'en dis-tu, Phil? D'accord, tu m'as bien eu. Voilà comment ça marche, gamin. Je m'appelle Sora, pas gamin. D'accord, d'accord, Sora. Puisque ton équipe et Hercule étaient tes seuls concurrents... Faux. Il y a un nouveau concurrent, il s'appelle Cloud. Plus on est de fous, plus on rit. Ça promet d'être quelque chose. J'ai hâte que ça commence, je ne retiendrai pas mes coups. C'est pas toi qui me fais le plus peur, bizarrement. Il faudra d'abord me toucher. Que le meilleur gagne. Oui, c'est ça. Très bien, que le spectacle commence. Mais je vais d'abord vous expliquer quelques règles. Règle numéro 1. Le premier qui termine la course d'obstacles a gagné. Règle numéro 2. En cas d'égalité, un combat départagera les joueurs. Règle numéro 3. On peut perturber ses adversaires durant la course. Règle numéro 4. Tous les concurrents doivent se donner à fond. Une course d'obstacles? Moi, c'est bavardé à vos marques. Prêt? Partez! Une course? Pas pour de vrai. Non, pas pour de vrai. Toi, tu vas être chiant, hein. Oui, tu vas être chiant. Je passe plus de temps à essayer de l'éviter que de faire le combat directement. Je voulais pas faire ça. Je croyais que je l'avais fini, mais non. Bon, j'imagine qu'on peut pas y aller tout de suite. Oui, voilà. Du coup, on peut aller... Bon, on peut revenir en arrière, quoi, en fait. Si je voulais la carte. Ah, de toute manière, j'avais pas vu le temps, c'est vrai qu'on va bientôt se quitter, du coup, on va faire quelques petits combats avant. C'est bien, tu t'es jeté dessus. Bon, c'était pas terrible. J'ai encore la magie? Ouais. Je sais pas vraiment à quoi il va servir ici.
les mains. Ça, c'est pour lui. Ah bah quand même. Je crois que j'avais jamais vu de carte comme celle-là. Ici, on n'était pas allé non plus et il fallait quoi? Ah, là, on pourra y aller. Mais je vais garder ça pour le prochain épisode. Je vais continuer quelques petits combats dans cette zone-là, du coup, avant de nous quitter. Oh, le quick-quick, il est toujours là. Je m'inquiète pas, je serai averti quand je serai sur le point de mourir. Mais eux, il était devant. J'ai levé l'up sans rien faire, ça c'est bien. Mais non, tu vas pas mourir, Sora. Ce serait quand même dommage. En fin d'épisode, tout ça. Mais non, mais laisse-moi tranquille, toi. C'est lui que je veux. Oh mince, ça le tue pas. Je veux me soigner. C'était pas très glorieux tout ça. On va prendre des HP, hein. Ça a l'air bien les HP. On a l'air d'en manquer un petit peu par moment. Une carte. Oh non, pas encore. Ça, c'était du combo. Hyper efficace, tout ça. Je peux faire des combos. Oh, c'est chiant quand il y a lui. Mais laisse-moi me recharger. Hein. Du coup, j'aurais pas utilisé mon combo, mais c'est pas grave. Y'en a encore, y'en a encore. Allez, un petit dernier pour la route. Allez, fais ton combo. Non, ça c'est pour l'autre. Allez. Le soin, pour l'instant, ça devrait aller. Allez. Je sens qu'on va bientôt avoir besoin du soin. D'ailleurs, on va le faire tout de suite, je suis tranquille au moins. Je me serais jamais servi autant de la magie dans un KH, n'empêche. Allez! On sent que c'est la fin de l'épisode là. Lily est fatiguée, elle sait plus jouer. Déjà qu'elle sait pas jouer d'habitude.
Mais c'est vrai que c'est important de le faire pour, ne serait-ce que pour les petites cartes comme ça. Hop, une petite save rapide. Pour se quitter sur une belle petite musique. Rétro, mais jolie quand même. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé pour le petit combat à la fin, mais tant qu'à faire, j'allais pas commencer... on va dire une nouvelle cinématique, c'est pas vraiment des cinématiques dans ce cache, mais voilà. Mais j'espère que ça vous plaît quand même, et je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Ciao tout le monde, des bisous.